opportunité élégante, une opportunité qui va vous laisser de marbre. Bah, ce n'est pas de marbre, de voir exactement où veut, le monde veut nous amener. D'accord. Et je vais vous dire, je vais vous prier de bien vous asseoir, de bien vous caler dans vos fauteuils, parce que là, je vais vous demander même de mettre votre ceinture, parce que l'avion va décoller. Lorsque nous allons décoller tout à l'heure, vous n'allez même pas comprendre à quel moment nous allons atterrir. Vous allez comprendre tout simplement à un moment donné que vous venez de découvrir une opportunité classe. Une opportunité, moi aujourd'hui, qui me tourne la tête, qui, je n'ai plus de sommeil depuis que j'ai rencontré cette opportunité, parce que j'étais à la recherche. J'étais à la recherche de comment je vais réaliser mes rêves d'enfance. Comment est-ce que, à un moment donné, je peux rompre la pauvreté, le lien de la pauvreté dans ma famille, ma grande famille, mes partenaires qui connectés ici aujourd'hui. Vous allez tout simplement comprendre, si vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez votre cœur, vous allez découvrir aujourd'hui, à l'instant même. Parce que ce monsieur qui va vous présenter cette opportunité, ça fait 32 ans. 32 ans qu'il manipule l'informatique, 32 ans qu'il manipule tout ce que vous appelez digital et aujourd'hui greffé à l'intelligence artificielle. Je ne pourrais pas le présenter. Je ne pouvais pas le présenter parce qu'il a un background que vous allez découvrir vous-même, parce que je vais lui laisser lui-même l'opportunité de se présenter. Il s'appelle tout simplement Orphée Adom. Et nous, dans cette opportunité, nous l'appelons O Orphée. Vous comprendrez aussi, au cours de sa présentation, pourquoi O Orphée. Et calez-vous, calepin, écritoire, ne ratez rien du tout, parce qu'à la fin, vous aurez l'opportunité de poser les questions. Vous aurez l'opportunité de poser les questions, les détails. Et lorsqu'il y aura des tout petits détails que vous n'aurez pas compris, vous remonterez à celui qui vous a donné le lien aujourd'hui de vous connecter, celui qui vous a donné cette opportunité de découvrir ce business. Vous devez déjà l'appeler pour lui dire merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit merci à Onaka, parce que c'est elle qui m'a connecté à ce business. Onaka, cette femme, loin des femmes ordinaires, elle qui a découvert cette opportunité et elle ne m'a pas oublié. Depuis le Canada, elle m'a appelé pour dire, mon frère, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Onaka, je veux que tu prennes la parole tout à l'heure pour bénir cette soirée, ce webinaire que Orphée va présenter en 2 temps, 3 minutes. Tu l'aurais fait et tu as la parole. Onaka. Ton micro est fermé. Merci, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les invités. Et bonsoir aux fondateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le mercredi. Et chaque fois, c'est toujours la même chose avec la même excitation que nous vous partageons cette opportunité. Mais comme à chaque fois, nous disons que nous ne pouvons commencer à parler de cette opportunité sans vous passer notre sœur leader et fondateur aussi de son rang, Cécile Meba, une grande actrice togolaise et qui nous ouvre toujours par l'hymne qu'elle chante sur cette opportunité. Si vous, avec votre permission, je vais encore une fois partager cet hymne-là avec vous avant qu'on ne parle de l'opportunité. Écoutez attentivement, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, prenez note, vous verrez que tout ce que j'aurai à dire au cours du webinaire, eh bien, vous avez tout ça concentré dans cet hymne-là. Eh bien, c'est parti, merci et à tout à l'heure. Ça va prendre 3 minutes à tout casser. Je suis un peu plus de
Voilà. Voilà l'hymne que notre leader Cécile Meba nous chante. Et ça nous ouvre alors, ça nous donne l'opportunité de pouvoir partager donc cette opportunité. Et là-dedans, vous avez entendu des mots-clés. Elle a parlé donc de la correction de la corruption. Elle a parlé de l'intelligence artificielle. Elle a parlé bien plus de choses. C'est de tout ça là que nous allons parler au cours de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais encore une fois partager donc mon écran avec vous et ce que vous allez donc suivre pendant que je vais vous expliquer de quoi il est question. Avant toute chose, encore une fois, bienvenue sur ce webinaire. Et c'est une opportunité unique. Au bienvenu l'a déjà dit, nous allons ensemble, au cours des trois quarts d'heure qui vont suivre ou une heure, à tout casser, nous allons parler de cette opportunité, vous donner aussi l'occasion de pouvoir non seulement la découvrir, mais savoir comment la saisir. Et pour cela, vous avez ici l'occasion unique de poser toutes les questions que vous avez et encore plus. Alors, nous aurons deux objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est de découvrir cette société, cette opportunité qu'on appelle « on passive ». Et qu'est-ce que c'est? Et ensuite, c'est aussi chercher à savoir comment en devenir fondateur. Voilà les deux objectifs à atteindre donc ce soir. Et au bout du webinaire, si on sort d'ici, vous devenez fondateur et que c'est que l'objectif a été atteint. Mais je vous préviens, cette opportunité que je m'apprête à vous présenter n'arrive qu'une fois dans une vie. Et c'est la seule fois que nous avons. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Mezeto Adam Orphée, Orphée. Et je vous expliquerai le O devant chaque nom ou chaque produit que nous mettons. C'est tout simplement O de On Passive. Qui suis-je? Je suis entrepreneur,
avec un peu plus de 25 années d'expérience dans les nouvelles technologies et les nouveaux styles de technologie d'information et de communication, tant en Europe qu'en Afrique, dans une moindre mesure, et ce, dans différents secteurs industriels, et qui m'a amené de l'aérospatiale au secteur financier, en passant par l'automotive, tout ce qui est énergie ou télécommunication. Je suis Siemens, je suis HP, je suis Deutsche Telekom, etc. C'est quelques sociétés de renom que j'ai eu à connaître. Cela m'a amené fatalement à aussi approfondir donc, ces connaissances de base qui m'ont permis donc, de saisir, de bien comprendre cette opportunité et la saisir. C'est pour cela que, depuis que je l'ai découverte, comme l'a dit au bienvenu aussi, eh bien, je ne dors pas. Je me dis, je dois faire tous les efforts, déployer tous les efforts nécessaires pour que chacun découvre donc, ces opportunités-là. Je crois que nous avons un problème technique. Je ne sais pas pourquoi ça nous fait ainsi. On va appeler la technique pour nous aider. Onaka, est-ce qu'on continue à voir mon écran? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? OK. Est-ce qu'on voit mon écran en retour? Je pense que bon, c'est bon. C'est bon, en fait. Alors, oui, merci. Donc, après avoir présenté ça, je voudrais quand même attirer l'attention de tous les nouveaux invités qui sont là sur le fait qu'il est très, très important, avant de choisir une entreprise numérique ou une opportunité dans le numérique, de se poser certaines questions de base, de bon sens. OK. Et d'abord, c'est qui derrière l'opportunité? Il s'agit de quoi dans l'opportunité? Et puis, quand est-ce que cette opportunité-là sera disponible et qu'on puisse la saisir? Où est-elle disponible? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'on peut rendre visite aux gens qui sont derrière, aux bâtiments qui sont là? Et surtout, comment pouvoir effectivement alors faire partie ou saisir cette opportunité? Je fais exactement le même exercice et je l'ai fait dans le cadre de cette opportunité-là où je me suis dit, et je dois aller à l'information, vous pouvez le faire aussi avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous pouvez taper sur Internet www.onpassive.com. Vous allez voir les produits, on en parlera. Mais toutefois, même une fois qu'on s'est posé ces questions de bon sens et de base, il faut s'intéresser à satisfaire 5 conditions clés. Alors, quelles sont ces conditions? D'abord, la toute première condition, c'est est-ce que je suis obligé de vendre quelque chose dans cette opportunité-là, ou suis-je obligé d'en parler à quelqu'un, de référer à quelqu'un avant de pouvoir gagner ce qu'on me promet dans cette opportunité-là? Cette condition, la réponse doit être sans embâge, non. Non, on doit être obligé de vendre quoi que ce soit ou de référer qui que ce soit avant de gagner donc, de l'argent ou des revenus dans cette opportunité. Donc, tenez bien cette condition-là en tête. La deuxième condition, c'est que, et même si je ne suis pas obligé et que volontairement, je décidais et d'en parler à d'autres, comme c'est le cas ce soir, on a décidé de vous en parler, est-ce que ça me permettrait d'en gagner davantage de revenus? La réponse est oui. Et la troisième condition, c'est que ceux qui ont osé m'écouter, me suivre, est-ce qu'eux aussi, ils vont gagner aussi des revenus, de l'argent, parce qu'ils m'ont écouté, ça va leur apporter des revenus? À cette troisième condition-là, la réponse est oui. Ensuite, il y a une quatrième condition, c'est que est-ce que je suis obligé de sortir de ma poche tous les mois, de façon récurrente, de l'argent pour pouvoir garantir le flux de revenus qui m'est promis? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de sortir de votre poche. Ce qu'on appelle communément auto-ship ou frais de maintenance, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, même si les quatre premières conditions sont réunies, il reste toujours une cinquième condition dont il faut absolument chercher à satisfaire avant de s'embarquer. Et cette condition-là, c'est la viabilité des produits. On a connu tant d'entreprises, tant de promesses qui nous sont apparues et qui nous ont, au cours desquelles on nous a promis tant de merveilles, tant de revenus, et que ces entreprises-là soient obligées donc, de mettre la clé sous le paillasson, donc faire faillite et puis disparaître sans égard.
C'est très important parce que tout simplement, ces entreprises n'avaient pas de produits viables. Il est aussi donc important de vérifier que l'entreprise a vraiment des produits viables. Eh bien, ce soir, j'ai une très, très bonne nouvelle pour nous, pour tous les invités qui sont là. C'est que j'ai trouvé, en vérifiant tout ça, cette entreprise-là. Mais avant de vous la partager, je veux attirer l'attention donc de tout le monde. Après avoir dit tout ce que j'ai dit, les conditions que j'ai énumérées, c'est que je ne suis pas ici pour vous partager un système de marketing de réseau ou bien un système de multi-level marketing, donc marketing relationnel, ou un système de crypto-monnaie, ou que sais-je encore, ni un système d'investissement dans lequel vous allez attendre des dividendes. Rien de tout cela. Je vais vous présenter une entreprise réelle qui s'appelle OnPassive. Et OnPassive répond exactement point par point à toutes les conditions que j'ai énumérées précédemment. Vous pouvez faire vous-même la liste. C'est du jamais vu. Moi-même, je n'ai jamais rencontré ça auparavant. Et je vous en parlerai. Il y a eu des opportunités dans ma vie, comme je suis sûr dans la vôtre aussi. C'est la seule entreprise qui dit votre succès garanti, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous n'avez absolument rien à faire. Tous les outils nécessaires ont été développés de bout en bout, de A à Z, qui sont mis à votre disposition dans n'importe quel domaine numérique, donc sur Internet. Et c'est ces outils-là qui vont travailler dans toute autonomie. C'est totalement automatisé grâce à l'intelligence artificielle et aux outils d'Internet, de IT, donc de technologie de l'information. Et ça ne vous demande de faire aucun effort pour pouvoir bénéficier de façon récurrente dans des revenus. Voilà ce que garantit l'entreprise OnPassive. Et la cinquième condition dont j'ai parlé tout à l'heure, le financement, l'autofinancement. Dans cette opportunité, vous ne payez qu'une seule fois de votre poche pour y entrer. Et alors, après, les abonnements futurs proviendront des bénéfices, c'est-à-dire des commissions qui ont été générées grâce au paiement des clients. Ceux qui n'ont pas voulu saisir cette opportunité sont fatalement les clients. Ils sont nombreux, ils sont des milliards. C'est énorme, c'est du jamais vu, du jamais fait auparavant, et il était important que nous puissions en partager. C'est comme si on vous mettait entre vos mains une voiture totalement autonome, d'accord, mise sur autopilote, ok, vous vous laissez conduire. Donc, c'est ce que je vous demande ce soir, vous êtes bien à la bonne place, vous êtes là au bon moment, et c'est à vous de prendre la bonne décision pour pouvoir profiter et saisir cette opportunité. Mais pour la saisir, j'ai pensé à 5P, à 5 points principaux. Il faut les garder en tête. Nous allons les parcourir ensemble. Tout ce que je vais décrire découle de ces 5 points-là. D'abord, quelle est la personne derrière cette opportunité? C'est très important. Ensuite, quels sont ces produits? Quel est le produit? Quels sont les produits et services qui sont derrière? Quel est le processus qui me permet donc d'avoir accès à ces produits-là? Et quelle est la place de promotion? C'est-à-dire que comment est faite la promotion si moi je rentre? Comment la mienne elle est faite? Et comment la promotion de ces entreprises, de ces produits-là est faite? Et ensuite, quelle est cette prospérité-là et comment pouvoir faire partie de cette prospérité? Vous voyez, ça, c'est les 5 points. Sans plus attendre, je voudrais vous annoncer que la personne qui est derrière s'appelle H. Moufaré. C'est le fondateur, c'est le créateur, c'est le CEO, donc le PDG de cette entreprise qui s'est donné une grande mission et qui a une très grande vision. On en viendra. Et les produits derrière, les produits OnPassive, il y en a plus de 50, tous totalement automatisés grâce à l'intelligence artificielle, et dans le domaine numérique, et le processus pour faire partie, pour accéder à tous ces produits-là est très simple. C'est un seul, ce qu'on appelle en anglais « single sign-on », c'est-à-dire vous recevez, vous avez votre seul mail et vous avez un seul mot de passe. Et d'ailleurs, vous allez recevoir un mot de passe unique qui vous permet d'avoir toute la sécurité et toute la sûreté pour pouvoir en bénéficier. Alors, la promotion, elle est faite grâce au marketing numérique, c'est-à-dire en ligne, ok, boosté par l'intelligence artificielle. Et la prospérité derrière, c'est quoi? Tout simplement, ce monsieur H. Moufaré s'est donné pour mission d'amener plus d'un million de familles à devenir millionnaires en dollars. Voilà, tout simplement les milliards qu'il a, il a décidé de ne pas les créer, les garder pour lui tout seul ou pour quelques-uns autour de lui. Et le monsieur dont on parle, le voici ici avec sa fusée qui décolle, mais qui allume seulement ses moteurs. Et la plupart des moteurs sont pratiquement allumés. Il s'appelle H. Moufaré, c'est le PDG, c'est le fondateur. Il est père de famille comme bon nombre d'entre nous ici, avec femme et enfants. C'est un entrepreneur chevronné qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du numérique en ligne, dans l'e-commerce, dans tout ce qui est trafic
numérique, donc sur Internet. Il est absolument visionnaire avec un sens aigu stratégique des affaires. Il a aussi une tête absolument bien faite. Il sort donc et bien pleine. Il sort de MIT avec un master en technologie de l'information et du commerce électronique, donc e-commerce à MIT. MIT étant l'université la plus renommée dans les technologies de l'information et de communication aux États-Unis. C'est la plus renommée au monde. C'est MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous pouvez aussi visiter un peu la technologie par l'université là pour voir ce qu'elle propose comme technologie en ligne. Ash Mufare a aussi fréquenté l'université de Harvard où il a appris à créer dans des entreprises et il en a créé pas mal. Il a contribué aussi dans d'autres entreprises à devenir millionnaire, voire milliardaire. Il comprend toutes les tendances donc de l'automatisation, du trafic, de l'automatisation sur Internet. Il a, comme je dis, monsieur a un grand cœur parce qu'au lieu de créer comme avec sa femme, comme d'autres entrepreneurs, faire des milliards, garder ces milliards-là pour lui tout seul avec sa femme, sa famille et quelques-uns choisis, donc le volet autour de lui, non, il a décidé qu'il veut, parce que tout cet argent-là ne le rend pas plus heureux, qu'il veut partager ça avec les fondateurs, ceux qui partagent sa vision des choses, c'est-à-dire la vision humaniste, la vision humanitaire. Et pour cela, il veut aider plus d'un million donc, de familles à devenir millionnaires, à transformer la pauvreté en prospérité. C'est la seule condition pour que ces millions de familles-là aussi s'intéressent à l'aide, à pouvoir aider les autres à sortir de la pauvreté. Il a dit, seul, moi, je peux aider une personne ou une famille, mais je ne pourrais pas aider un million. Mais si on est un million, vous voyez l'impact qu'on peut faire au niveau donc, de l'action humanitaire. Voilà ce qui le drive, voilà ce qui le motive. Et ce monsieur-là est arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Il en a 48 aujourd'hui, comme je le disais, mais il a eu à développer un grand cœur. L'entreprise est réelle. L'entreprise a des produits, a des employés, a des immeubles, des immobilisations. Elle est en Floride, aux États-Unis, ici, comme à Orlando. Vous pouvez rendre visite à Chumufare là-bas, dans son quartier général. Vous allez avoir l'opportunité de prendre un café avec lui. Il est très accessible. Il a dit que ceux qui viennent et qui voudraient le visiter sont les bienvenus. Mais pas seulement aux États-Unis, à Orlando, où il y a près de 200 personnels, dont des juristes, des techniciens, des ingénieurs, mais il y en a aussi en Inde ou à Hyderabad, comme vous voyez ici. J'ai été personnellement dans cette ville-là. C'est la deuxième ville la plus dynamique au monde en termes de talent, de compétences dans l'intelligence artificielle, dans l'IT, c'est-à-dire que dans Internet, dans tout ce qui est technologie de l'information et de communication. Et c'est là qu'il a mis donc un immeuble sur 6 étages pour pouvoir développer tous ces produits-là et où il y a plus de 800 staff, 800 employés, ingénieurs, techniciens et qui développent des meilleurs. Le système de sélection de Horn Passive est le plus strict. Il a choisi les meilleurs talents qu'il a mis là, qui développent ces produits. Donc, c'est du réel. Vous pouvez faire Google Earth pour aller voir comme si vous étiez. Je vous passe quelques images et vous-même, vous pouvez aller contrôler. Donc, vous voyez, tout est sécurisé. Les ingénieurs qui sont là à leur poste respectif, ils sont en train de développer. Ou à l'entrée, l'accueil est très chaleureux. À l'intérieur aussi, tout le monde est mis à l'aise pour pouvoir nous développer ces meilleurs produits du jamais développés. C'est ce que nous allons alors partager au cours de ce webinaire. Mais avant toute chose, il faut savoir que lorsqu'on parle de Horn Passive, gardez un seul signe en tête, un seul mot, 4 mots. C-A-T-M-O, 4 mots. Si vous avez quelque chose à garder ce webinaire-là, c'est ça, à part les 5 P, parce que tout, c'est ça qui drive tout ce que je vais vous expliquer. Mais le mot 4 mots est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire 4 mots? 4 mots veut dire solution digitale complète, c'est le C, automatisée, donc c'est le A, et grâce à l'intelligence artificielle et qui génère un trafic ciblé, c'est le T, donc trafic en masse, illimité et procure alors du money, donc de l'argent aux fondateurs que nous sommes, aux clients que nous sommes. Voilà ce que veut dire 4 mots. Et derrière l'automatisation complète, il y a ces 50 à 60 produits et qui sont boostés par l'intelligence artificielle
Et donc, comme je disais, vous voyez ici Orlando et Hyderabad où les immeubles sont. Il est dit que OnPassive va être cette entreprise, cette future entreprise licorne. Qu'est-ce qu'on appelle une entreprise licorne? Une entreprise licorne, comme vous voyez ici, c'est une entreprise qui, au lancement, a atteint et dépassé 1 milliard de chiffre d'affaires. Or, dans le cadre de OnPassive, il est prévu aujourd'hui déjà évalué à plus de 5,5 milliards. Et dans la première année de lancement, et il est prévu que OnPassive va passer rapidement le cap des 12 milliards. On aura l'occasion de voir aussi par quel mécanisme, qu'est-ce qui va faire que tous ces milliards-là vont arriver à OnPassive. Très simple. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous sommes déjà plus de 723 000 personnes qui sont connectées, qui sont déjà fondateurs et qui partagent les mêmes idées que celles que nous voulons partager ici. Donc, vous voyez, c'est une entreprise massive, déjà mondiale, et qui n'est pas encore officiellement lancée, qui est créée, qui développe ses produits, mais pas encore lancée, dont les produits ne sont pas encore lancés officiellement sur le marché, qui atteint ce niveau. C'est tout simplement du jamais vu, du jamais fait. Il n'y a jamais une entreprise qui démarre avec autant déjà de membres fondateurs, donc clients déjà et de l'entreprise. C'est énorme. Alors, l'entreprise aussi promet de créer donc des revenus passifs totalement automatisés pour n'importe qui dans le monde, qui que vous soyez. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas ni de limite d'âge, ni de limite de race, ni de... Il n'y a aucune discrimination. Tout le monde est concerné. Et pour ce faire, elle s'appuie donc sur les 6 milliards d'internautes, donc d'utilisateurs Internet que nous sommes, en planifiant avoir la première année 100 millions sur les 6 milliards, ce qui générera déjà des milliards, croyez-moi, avec les produits qui sont là derrière, dont on verra bientôt. Vous aurez aussi la possibilité, ça aussi c'est unique, de pouvoir transmettre donc votre entreprise ou les revenus que vous avez générés, le patrimoine que vous avez construit grâce à OnPassive à vos héritiers. La génération future pourra hériter tout simplement de cela. Ça sera très simple. Au lieu de leur donner une maison que vous avez construite, etc., eh bien, vous allez les léguer une adresse email, un mot de passe. Ils ont accès alors à un patrimoine immense, illimité, qui ne s'arrêtera pas. OK. Alors, à cet instant précis, imaginez-vous faire partie aussi de ces fondateurs-là, devenus fondateurs, ce que ça vous réserve. Et alors, au cœur de tout, il y a l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui permet donc de faire toutes ces différences, et les meilleures technologies, les meilleurs talents ont été vraiment mis ensemble pour pouvoir développer ces produits-là autour de l'intelligence artificielle et pour pouvoir booster le marketing numérique qui est notre futur. Tous les produits sont brevetés. Tous les produits ont été construits de A à Z. Il n'y a rien qui a été colmaté. Tout est de source. Voilà la différence. Et retenez bien, avec l'intelligence artificielle couplée au marketing numérique, c'est totalement un changement de paradigme au niveau de OnPassive et de cette opportunité-là dont je suis en train de vous parler. Et l'intelligence artificielle, comme je disais, mise au cœur du marketing numérique, c'est notre avenir. Ce sera un grand changement. Les gens ne s'aperçoivent pas encore, mais sachez que tout ce que nous connaissons aujourd'hui sera touché. Tout ce que vous connaissez sur Internet, eh bien, ça va être impacté grâce à cela. Et pour ce faire, en termes de promotion, le OnPassive a un modèle unique. C'est une seule plateforme, okay, qui permet à n'importe quelle entreprise de devenir plus performante, qu'elle soit en ligne ou pas. C'est-à-dire, dès que vous êtes devenu fondateur, c'est comme si vous créez une entreprise. Ça va booster, mais on en parlera plus tard. Quand vous allez devenir fondateur, vous allez le découvrir aussi davantage, plus en détail. Tous ceux qui n'ont pas, par exemple, de succès ou d'activité en ligne, eh bien, le connaîtront. Sachez qu'aujourd'hui, en ligne, ceux qui sont dans le marketing numérique, en ligne, il n'y a que 3% qui réussissent. 2 à 3%. Alors, les 97-98%, eh bien, ils ne connaissent aucun succès. Et OnPassive s'adresse à ceux-là. Et parmi ceux-là, OnPassive dit qu'il va garantir le succès à plus d'un million de personnes à obtenir l'abondance, mais sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit. C'est ça aussi l'énigme et la nouveauté.
Alors, ce modèle-là se repose sur cinq piliers principaux. Le tout premier pilier, je l'ai déjà dit, c'est les outils qui sont développés de A à Z et totalement automatisés par l'intelligence artificielle. Le deuxième pilier, c'est les trafics. Le trafic hautement ciblé, Hashmoud Faré est un gourou du trafic. Et il a fait toute sa carrière dans le trafic. Il en connaît toutes les facettes, tout ce qui concerne le trafic hautement ciblé pour générer un flux de clients. Et c'est ces clients-là qui sont mis en pilote automatique. Ce n'est pas vous qui allez les recruter. Quand vous avez, par exemple, un lien, ce n'est pas vous qui allez faire la promotion auprès de moi ou auprès d'autres. C'est l'intelligence artificielle derrière, grâce au marketing numérique, qui va vous générer les clients. Et ces clients-là viendront payer les produits. Et ces produits payés généreront des commissions. Et c'est ça qu'on appelle le trafic. Je l'ai déjà dit dans quatre mots. Alors, le troisième pilier, c'est la réduction de coûts. Pourquoi? Vu que les 50 produits et plus sont sur une seule plateforme, donc un seul fournisseur, fatalement, ça fait économiser beaucoup d'argent, non seulement pour un passif, pour l'entreprise, mais aussi pour les clients et encore plus pour nous qui devons utiliser ça. Ensuite, le quatrième pilier, c'est l'automatisation. Tout est automatisé et vous n'avez qu'un seul accès, un seul mail, un seul mot de passe pour y accéder. Quand vous êtes fondateur, ce sera le cas pour tous les produits qui seront livrés. Ce sera même principe. OK. Et puis le dernier, cinquième et dernier pilier, c'est les revenus passifs qui sont générés et qui apportent alors un revenu tous les jours de l'année que Dieu fait. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez être en vacances, vous pouvez être en train de dormir, vous pouvez être même malade. Votre entreprise, vos revenus sont générés automatiquement et vont arriver dans votre wallet. Est-ce qu'il y a des concurrents? Oui. Sont-ils viables? Non. Parce qu'on peut regarder ces concurrents-là, on va voir qu'ils ne peuvent, aucun de ces concurrents n'a pu concurrencer les 50 produits. Ils concurrencent un ou deux produits. On peut prendre l'exemple tout de suite. Nous avons Zoom. C'est celui-là que nous utilisons là. Vous avez vu tout à l'heure une panne technique de Zoom. Ça, l'intelligence artificielle que nous allons avoir dans l'équivalent du on passif de O-Connect, on ne le verra pas. On le verra en trois dimensions, même s'il y a une coupure. On continue à travailler parce que nous sommes déjà connectés. Nous pouvons continuer la communication et reprendre là où nous sommes arrêtés. C'est énorme. Nous avons les Google, nous avons les Gmail, tout ça, chacun des concurrents ici est concurrent d'un seul produit. Aucun n'a fait 50 produits en même temps et a mis tout sur une seule plateforme. C'est ça qui fait la différence. Et puis, même si on pousse un peu plus loin, aucun ici, en créant son entreprise, ne vous a appelé et vous dire « Venez, devenez fondateur et partagez les revenus avec moi. » Seul, on passif le fait et je tiens à le souligner, moi, c'est ce qui m'a rendu absolument dingue, admirateur de ce monsieur au grand cœur en disant « Je me donne pour mission donc de pouvoir partager ça avec tout le monde pour que personne ne soit laissé de côté. » Est-ce que Si on prend quelques-uns de ces milliardaires qu'on appelle les GAFAM, GAFAM, l'acronyme, c'est Google, c'est Apple, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est Microsoft. Ces gens-là ne vous ont jamais appelé en vous disant, vous savez quoi, je vais créer une entreprise milliardaire, eh bien, devenez fondateur pour qu'on partage les revenus qui sont produits. Et généralement, ils n'ont que deux ou trois produits, je les cite. Si on prend le PDG d'Alibaba, Jack Ma, il n'a que deux produits, hein, les deux Chinois, Alibaba et AliExpress. Il est milliardaire, multimilliardaire. Le Zuckerberg, le PDG de Facebook, possède trois produits, Facebook, WhatsApp, Instagram, multimilliardaire. Il ne l'a pas partagé avec vous. Il se réserve toujours les milliards avec quelques-uns seulement. Si on prend le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, aussi possède un produit numérique énorme, multimillionnaire. Si on prend le plus grand des grands, le PDG de Microsoft, Bill Gates, eh bien, pendant 10 ans, ce monsieur est resté l'homme le plus riche du monde, seulement avec 10 produits, seulement 10. Il est multimilliardaire, resté 10 ans l'homme le plus riche du monde et on en parle encore. Est-ce que Bill Gates vous a jamais appelé en disant « Venez, je veux partager mes revenus générés avec vous ». Jamais. Il fait de l'aumône, il va faire de la philanthropie, mais on sait que depuis qu'il fait la philanthropie, il est encore plus riche. Alors, on se demande comment la philanthropie rend aussi riche. Mais à vous de vous poser la question. Regardez, si on prend encore le cinquième ici, le PDG de Google, il a quoi? Il a 12 produits, vous allez les citer, Google, Chrome, YouTube, etc., que vous connaissez. Ils sont tous milliardaires, mais c'est des milliards qu'ils gardent pour eux, tous seuls. Ils ne nous ont jamais appelés.
pour le partager. Là, Zoom que nous sommes en train d'utiliser, il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, Zoom fait plus de 160 milliards donc de revenus et plus riche que ExxonMobil réunis, alors des sociétés centenaires. Vous voyez que dans le numérique, il y a vraiment un shift, donc un changement de paradigme total et il ne faut pas le rater. Tous ceux que je cite là, ils utilisent l'intelligence artificielle au cœur de leurs produits, mais personne n'a développé de A à Z ces produits basés sur l'intelligence artificielle. Nous pouvons nous réjouir déjà donc, de cette liberté financière que nous promet H. Moufaré, qui nous attend dans très peu de temps et nous serons submergés par ce que nous allons voir nous-mêmes. Mais les gars, je pense que c'est le bon moment. Voyez la plateforme, voyez l'écosystème. Tous les produits sont connectés. C'est pourquoi nous mettons haut derrière chaque produit. Ils sont connectés. C'est au connect, au web, au shop, etc. Je vais vous les montrer, mais je ne pourrai jamais les parcourir tous parce qu'il nous faut plus d'une journée pour pouvoir parcourir ces produits-là. Lorsque vous allez sur le site onpassive.com, vous pouvez vous-même les parcourir. Voilà, si on regarde ici le portefeuille donc, de 2021 de ces produits qui vont sortir, on peut les citer pêle-mêle. Il y aura les Ocademy, Oblaze, il y aura les O-Shop, les O-Staff, les O-Mail, il y aura les O-Post-Stream, etc. O-Net, O-Traka, tout ce que Internet a aujourd'hui, eh bien, onpassive là. On peut continuer et ça ne finira pas. Et croyez-moi, moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je deviens fondateur sans tarder de cette entreprise. Je saisis cette opportunité quand j'ai analysé ça. Lorsque vous devenez, par exemple, fondateur comme moi et comme d'autres ici, eh bien, vous avez accès immédiatement à GoFounder qui va devenir O-Founders. Donc, c'est la porte d'entrée de votre entreprise où vous avez accès à tout. Ça donnera quelque chose comme ça. Lorsque vous recevrez de l'argent, on verra ça dans quelques jours. Eh bien, vous verrez ici dans votre wallet, eh bien, j'ai aujourd'hui 13 500 quelque chose dollars. Et vous pouvez voir combien sont connectés, etc. Tout ça, c'est du réel, c'est fait. C'est ce qu'on met à nos dispositions. Vous avez les outils comme O-Counting pour simplifier la comptabilité pour ceux qui le connaissent. Alors, enfin, O-Academy. O-Academy est une application extraordinaire, unique en son genre, pour les apprenants de tous âges, ceux qui veulent encore apprendre ou ceux qui sont au début de leur apprentissage. Tout le monde est concerné. C'est l'université en ligne, c'est de l'éducation en ligne. On appelle ça e-learning, avec une université derrière. Cette application seule mais permettra à toute l'Afrique de résoudre le problème de l'éducation dans ce 21e siècle. Moi, quand j'ai vu ça, et surtout une application qui s'adapte en temps réel à plus de 108 langues, mais c'est du jamais vu aussi. Et ça va des universités jusqu'à YouTubeurs et le téléchargement est sans limite. Voilà une entreprise qui va nous aider, surtout qu'on nous dit que dans 15-20 ans, l'Afrique va dépasser les 2 milliards. Vous voyez bien qu'on n'aura jamais assez de moyens de construire les universités ni les écoles pour pouvoir former, mais nous avons cette opportunité unique pour nos professeurs et pour nos étudiants d'avoir en ligne, il suffit juste une connexion simple Internet et on accède de partout dans le monde. Tout est déjà prévu, l'intelligence artificielle derrière, les professeurs n'ont qu'à mettre leur programme et les étudiants pourront accéder. Les professeurs aussi n'auront jamais rien à faire parce qu'une fois qu'il a mis le programme, c'est le marketing numérique grâce à l'intelligence artificielle qui va chercher dans les étudiants et derrière, il y a une université réelle. D'accord, de on passive school. Ensuite, il y a cet outil-là dont je ne m'en lasse jamais de parler, c'est Oblaze. Oblaze, c'est l'âme, d'accord? C'est l'âme même de on passive. Oblaze permet donc de faire la levée de fonds pour soutenir les bonnes causes et les bonnes idées. Et la part de marché de cet outil-là est tout simplement énorme. Il n'y a rien, il n'y a pas un dollar que on passive veut prendre quand vous avez levé de fonds comme ça se fait aujourd'hui. Et c'est pour cela que on passive à créer Oblaze. C'est tout va aller aux œuvres, aux projets. Et grâce à ça, nous pourrons, alors, une fois qu'on est devenu indépendant financièrement, on peut alors s'intéresser à ces œuvres-là qui comptent, ces œuvres humanitaires. On passive, et H. Moufaré, PDG de on passive, disait qu'il est plus scientifiquement prouvé que dans notre ADN,
Vous savez, le pouvoir de donner est 10 fois plus gratifiant et plus épanouissant que celui de recevoir. J'aimerais qu'on fasse une autre, une fois qu'il nous a permis d'obtenir cette liberté et indépendance financière. Aujourd'hui, le marché est énorme. Il y a plus de 6 millions de campagnes de crowdfunding, donc de levée de fonds pour les projets chaque année. Et le marché devrait tripler d'ici 3 à 4 ans. Les entreprises et les causes sociales sont celles qui représentent la majorité donc des demandes de crowdfunding. Il y a les grands joueurs dans ce domaine-là, mais ces grands joueurs, il faut savoir qu'ils font beaucoup de blé, beaucoup d'argent, mais qu'ils les gardent pour eux, ça ne va pas à la cause humanitaire. Nous le savons, combien de fois on dit, l'argent qui a été donné, à peine 10% est allé à l'œuvre même en Afrique, ce qui fait que nous sommes là où nous sommes. Et demain, eh bien, ce ne sera plus le cas. Si nous prenons un exemple de GoFundMe ici, GoFundMe réalise jusqu'à 100 millions de revenus chaque année, mais grâce à crowdfunding. Mais c'est autant de millions qui devraient aller à l'œuvre humanitaire, mais ces millions-là sont gardés. C'est la même chose avec ses concurrents qui sont Kickstarter, 33 millions, et Indiegogo, près de 24 millions. Sur OnPassive, tout ça là va aller à l'œuvre, sauf peut-être une portion pour maintenir dans les infrastructures, mais on en parlera. Mais enfin, maintenant, la question qu'on se pose, c'est, oui, d'accord, si on reçoit tout cet argent, comment on le gère, au fait? Mais on a pensé à ça aussi, il y a O-Wallet. O-Wallet, c'est votre porte-monnaie électronique, c'est votre banque en ligne qui vous permet d'effectuer toute transaction financière de manière sécurisée. Okay? Vous avez votre porte-monnaie, vous accédez, l'argent est disponible 24 heures sur 24, où que vous voulez, comme vous voulez, vous pouvez prendre une partie ou tout quand l'argent est disponible, et l'argent est continuellement disponible. Dès que vous avez une commission, eh bien, elle tombe. Elle tombe automatiquement, ce n'est pas quelqu'un qui doit intervenir, il n'y a pas d'intervention humaine. Allô, tu n'arrives pas, tu vas avoir le son. Voilà. Mais j'ai envie de leur poser la question, quoi. J'ai envie de lever la main, tu vois. Ouais, vous parlez de moi. Salif, moi j'ai le son. Hein. Vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît, parce que nous tous, nous avons le son. Tu peux ouvrir ton micro, en fait? C'est fait. Okay. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais, on t'entend. Merci beaucoup. Alors, okay. J'expliquais que O-Wallet nous permet alors de pouvoir gérer en toute tranquillité, en toute sécurité, notre argent qui est disponible dans notre porte-monnaie électronique. Et on a pensé aussi à la technologie O-Coins, crypto-monnaie, où vous pouvez aussi utiliser O-Coins dans l'écosystème pour pouvoir faire donc toute transaction. Ça gère les entrées, les sorties, il n'y a aucun problème. C'est pensé, n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Voilà. Il y a cet outil qui est aussi très important, en tout cas pour nous, consultants qui conseillons les solutions de gestion des ressources humaines, les systèmes de gestion des ressources humaines aux entreprises. Voilà un outil qui va être absolument révolutionnaire parce qu'il a été, il est très agile, conçu vraiment pour s'adapter à toute taille d'entreprise, à toute taille de personnel, que vous ayez un employé ou que vous ayez 1 million d'employés, ça n'a aucune sorte d'importance. Cet outil s'adapte automatiquement et vous pouvez gérer donc en toute quiétude votre personnel depuis l'embauche à la retraite, en passant par les arrêts maladie, les promotions, les payes, etc., etc. C'est lié automatiquement aussi à votre comptabilité. Comme je l'ai déjà dit, tous les outils étant liés, eh bien, si on a au staff, eh bien, on a au mail, eh bien, on a au cantine, eh bien, on a au paye, on a tout ce qui est faisable sur Internet. C'est tout simplement inimaginable, mais c'est une réalité ici. Et moi, j'aime bien cet outil. Sachez qu'un tel outil coûte très cher sur le marché. Les entreprises le savent. Et quand il va sortir, eh bien, toutes les entreprises qui gèrent, qui ont du mal à gérer leur personnel ici, eh bien, ce sera la transhumance. Ils vont aller vers Ostaf. Et c'est ça qui va ramener aussi des millions. Pourquoi ils vont aller vers Ostaf? Parce que c'est simplifié, c'est l'intelligence artificielle derrière, c'est automatisé, ça fait économiser beaucoup d'argent. Il n'y a personne qui veut perdre de l'argent, pas dans le milieu entrepreneurial en tout cas. Alors, enfin, il y a Omail. Et peut-être que je devais m'arrêter là parce que je dis que je ne pourrai jamais finir. Et c'est tellement
beaucoup, c'est tellement énorme, on pourra en parler, mais devenez fondateur, vous allez voir, vous allez découvrir tout ça en détail. Et moi, je vous donne juste cet aperçu-là. Cet aperçu, par exemple, sur Omail, c'est tout simplement qu'on a pensé à l'outil de courrier électronique, donc de vos courriels, mais de façon très professionnelle et très organisée, et qui vraiment... Qui se différencie avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ceux qui utilisent Gmail, par exemple, on a présenté Gmail aux professionnels en comparaison avec Omail. Eh bien, sachez que massivement, ils ont choisi Omail comme s'ils avaient à utiliser un système donc, de courriel, de mail, de messagerie. Et c'est ce qui va se passer quand ce sera lancé. Et il y a bien d'autres produits encore là-dedans, par exemple, pour pouvoir faire du marketing avec vidéo, de meilleure qualité, construire vos vidéos, construire et partager. Alors, maintenant, quand on regarde tous ces produits, je m'arrête, j'ai montré juste 6. Si on devait les évaluer, combien ils font aujourd'hui sur le marché, eh bien, sachez que si on prend juste Oblaze pour lever de fonds, c'est plus de 300 millions okay, par an. Si on prend l'éducation en ligne ou e-learning, académie, notre université en ligne, là, c'est 200 millions par an. Juste cet outil-là. Et ça, c'est basé sur les chiffres d'aujourd'hui. Si on prend les wallets qu'on vient de voir, il faut savoir qu'on l'utilise aujourd'hui hein, déjà, mais pas aux wallets, on utilise les concurrents, mais il y a un marché énorme, plus de 80 millions. Et tout ça, hein, si j'évalue les 5-6 premiers produits sur les 50, j'arrive déjà à 1 milliard pratiquement. Et ça, c'est ça, la prospérité. Ce milliard-là, quand il est généré, 80% va être partagé avec les fondateurs, 20% allant payer les infrastructures, les salaires et d'autres immobilisations de l'entreprise. Voilà comment HMFoiré promet partager les revenus avec les fondateurs. Et dans un avenir proche, je peux vous garantir que tout le monde viendra à Onde Passive, qu'il s'agisse de venir pour les outils, qu'il s'agisse d'avoir des avantages ou de connexions simples ou de communications plus simplifiées, il y aura toujours une raison de venir en passé. Mais quant à nous, aujourd'hui, nous recevons de façon résiduelle des factures et ben, je me demande pourquoi on ne devrait pas aussi recevoir des revenus résiduels. Et c'est notre objectif ici en voulant vous permettre de pouvoir devenir fondateur. Il y a être fondateur en passé, c'est le meilleur choix. Il y a deux autres choix, soit être fondateur ou les deux autres choix, c'est client, revendeur. Alors, je m'attarde un peu sur être fondateur. Qui est fondateur? Est fondateur aujourd'hui quelqu'un qui nous rejoint et qui paye sa souscription avant le lancement officiel. On le verra dans le chronogramme, il y aura un lancement qu'on appelle lancement dur. Mais au lancement, tous les fondateurs deviendront automatiquement des clients et revendeurs. Voilà deux avantages qui sont aussi inhérents à cette opportunité. Mais vous n'aurez jamais rien à vendre et ce sera fait pour vous. Ensuite, si on n'a pas saisi l'opportunité et qu'elle est lancée, eh bien, quand ce sera fermé, vous pouvez toujours devenir client ou revendeur. Client, vous allez pouvoir acheter certains produits et revendeur, vous avez une suite de produits, vous recevez un trafic et une licence pour pouvoir la proposer dans plus de 212 pays disponibles ou on passive est déjà disponible aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous rejoignez, voilà le chronogramme, hein, si aujourd'hui vous rejoignez, vous allez sortir 97 $ de votre poche, ok, tu fais à peu près autour de 80-85 euros de votre poche et vous devenez alors fondateur, vous payez ça une seule fois pour devenir fondateur, mais vous avez aussi à tenir compte du fait que quand ce sera lancé, il va falloir payer un frais d'activation. Ce frais d'activation là, je vais aussi le détailler comment il est payé. Vous n'avez pas de limite dans l'achat de position de fondateur. Vous pouvez avoir un, mais vous pouvez décider d'avoir 10, 20, il y en a qui ont 100. Alors non, il n'y a pas, j'ai eu un hier qui me disait, j'en ai 235, il est au Nigeria. C'est pour vous dire, les gens peuvent avoir autant de positions qu'ils veulent et peuvent souscrire autant de personnes. Comme de base, dans Onde Passive, il n'y a aucune limite, que ce soit dans l'utilisation des produits, que ce soit sur ce qui est fait, c'est nos limites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On n'impose pas une limite. Par exemple, Zoom ici nous propose un nombre limité de gens qui vont se connecter. Sachez qu'il n'y aura pas cette limite-là dans O-Connect sur Onde Passive. Ensuite, la deuxième phase, c'est le lancement progressif. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours seulement, à en croire à ce que nous a dit la semaine dernière le PDG. Et dans cette phase, va être très courte. Mais dans cette phase, vous avez encore
une petite fenêtre d'opportunité de devenir fondateur, mais à un prix plus élevé, ce sera un peu plus cher, voire même très cher par rapport à ce qui était proposé au départ. Et en plus, le temps est limité. Dans cette phase-là, tous les fondateurs ont l'opportunité de tester le produit. Enfin, il y aura troisième et dernière phase. Cette phase qu'on appelle de lancement définitif ou lancement dur. Dans cette phase, nous tous, nous allons payer les frais d'activation d'environ $250 pour pouvoir permettre à notre package d'être proposé aux clients et donc de recevoir des revenus. Les autres paiements viennent donc des commissions qui sont payées automatiquement pour nous, d'où les 20% qui sont retirés pour pouvoir payer les autres abonnements. Mais ceux qui n'ont pas l'occasion de payer les $250, je le précise, et ce n'est pas encore perdu, Hachmoufaré a dit « Personne ne sera laissé de côté parce qu'il a vu tellement de corruption dans les entreprises qu'il ne veut laisser personne de côté. » D'où cette automatisation à outrance. Vous allez quand même recevoir des revenus. Mais ces revenus, vous ne pouvez pas les toucher. Vous ne les toucherez que lorsque, par exemple, l'activation, elle est faite. Mais demain, imaginons, vous avez $1,000, vous voulez retirer $1,000 et il y aura $250 qui seront déduits des $1,000. Donc, vous allez retirer de votre wallet que $750. Voilà ce que ça veut dire ici. Et Hachmoufaré a dit, il va donner le temps à chacun. Au bout d'un an, vous avez reçu les revenus. Au bout d'un an, tout le monde est capable d'avoir activé son poste. Et quand le poste, et quand c'est lancé, on ne peut plus devenir fondateur. Ce sera fini. Ceux qui n'ont pas saisi l'opportunité l'auront raté. Il faut aussi savoir que chez OnPassive, tout est sécurisé. À aucun moment, les données qui ont été fournies, générées par la plateforme, ne seront ni partagées, ni vendues, ni monétisées. OnPassive va utiliser juste l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le MLP, qui est le langage machine ou le natural language learning ou protocole de langage automatique qui permettra d'analyser aussi certaines informations pour en déduire les données en garantissant toute la confidentialité tout au long de la chaîne. Alors, et une entreprise qui vous dit que vous n'avez pas besoin de recruter que ce soit, de faire quoi que ce soit, toutes les conversions de prospects sont faites pour vous, on vous garantit le trafic, l'autofinancement est aussi garanti pour vous, tout est fait pour vous, tous les outils dont vous avez besoin, imaginables et non imaginables, sont là pour réussir. Tout est facilement accessible en un endroit avec un seul mail, un seul mot de passe. Il n'y a pas, toutes les technologies ont été conçues de bout en bout, de A à Z. Il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de recyclage de technologie et que les outils sont propriétaires avec la plus haute qualité en demandant le prix le plus bas au monde. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Une telle opportunité, quand on ne la saisit pas, ça veut dire qu'on n'a pas encore bien compris ce qui se passe dans le domaine des technologies en ligne. Et je peux vous garantir que lorsque votre business est mis sur pilote automatique, ça aussi, il n'y a aucune entreprise qui ait jamais proposé ça. Tout ce que vous allez faire, c'est ne rien faire. La publicité, elle est faite pour vous. Le marketing, est fait pour vous. Les prospects, le recrutement, la signature de contrat, la construction de toute l'entreprise, les revenus et même la gestion aussi de ces revenus, c'est fait pour vous. N'importe quel business que vous pouvez imaginer en ligne, c'est fait pour vous. Tout est automatisé et on vous met entre les mains, donc comme une voiture autonome avec vous en mise sur autopilote. C'est tout simplement révolutionnaire. Alors, une telle entreprise, une telle opportunité, on la saisit. Si on ne la saisit pas, je pense qu'elle ne se reproduira plus au cours de notre vie. Depuis les 30 dernières années, je vais vous dire, avant de continuer sur les avantages que ça vous procure, il y a eu trois révolutions. Trois. Nous sommes à la troisième. La première révolution, c'était Internet dans les années 90. Et ceux qui l'ont saisi sont devenus milliardaires. La deuxième révolution, qu'on appelle technologie disruptive, hein, quand il y a révolution et qui apporte un changement de paradigme, c'est une technologie disruptive. Dans les années 2010, il y a eu la blockchain qui a donné naissance à Bitcoin, ce qu'on appelle crypto-monnaie aujourd'hui. Ceux qui l'ont saisi aussi sont multimilliardaires. Nous sommes à la troisième phase qui combine les deux premières technologies et ça, c'est l'intelligence artificielle dont OnPassive se saisit et combine donc l'intelligence artificielle avec la blockchain, quand j'ai parlé de O-Wallet avec les O-Coins, et combine aussi avec le Internet pour pouvoir
nous amener quelque chose de particulièrement unique. OK? Vous, lorsque vous avez tous ces avantages là, vous les recevez et que vous êtes financièrement indépendant, il y a encore d'autres avantages, encore et encore. Vous allez avoir une solution de financement pour toute cause humanitaire grâce à Oblex. Vous pouvez avoir un paiement instantané, immédiat dans votre wallet grâce à OCoins, grâce à, vous pouvez mettre votre argent sur votre banque. Ces avantages-là, aucune entreprise ne le fournit à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui. Et en tout cas, aucune ne l'a fait. C'est ça qui est en train de nous être présenté. Et en plus, vous allez recevoir donc un revenu résiduel illimité que vous pouvez transférer à vos héritiers, à vos héritières. Une automatisation complète de tout ce que vous pouvez imaginer et réaliser pour vous. Regardez l'historique un peu de On Passive depuis 2019. Enfin, ça, elle a été créée en 2008, juillet 2008. Et en 2019, déjà, il y avait 10 000 fondateurs qui ont joint. Au bout d'un an, il y avait déjà 50 000. En 2020, en moitié d'année, donc au bout de 18 mois, il y avait déjà 100 000. Et au bout de la deuxième année, il y avait déjà près de 400 000. 2021, quand on a commencé 2021, on avoisinait déjà les 500 000. Et pendant que je vous parle, à l'heure actuelle, on est autour des 723 000. Moi, quand j'ai rejoint ça, il y a à peine deux mois, on n'avait pas encore atteint 600 000, on était dans les 550 000. Voilà où nous en sommes. Chaque jour que Dieu fait, il y a 3 000 personnes qui nous joignent, qui rejoignent cette entreprise, qui saisissent cette opportunité parce qu'ils ne veulent pas être du reste. Nous sommes là pour le gagner. Les 723 000 fondateurs aujourd'hui sont là pour le gagner. Et le futur est juste devant nous ici avec un système sans effort pour avoir les revenus et avoir enfin cette indépendance financière. On Passive s'adresse à nous tous. Il n'y a pas de discrimination, quelle que soit votre origine, votre race, votre croyance. Eh bien, tout ce qui a été fait, c'est pour vous permettre donc de pouvoir avoir cette indépendance financière enfin pour que vous puissiez aider ensemble, pour que nous puissions aider H. Moufaré à atteindre dans sa vision de pouvoir aider plus d'un million de personnes à transformer la pauvreté en prospérité. Imaginez-vous demain, vous êtes libre financièrement et que vous pouvez désormais enfin vous occuper des œuvres qui comptent, c'est-à-dire s'occuper des plus pauvres, donner à manger, et éliminer la faim autour de vous, et construire l'école que vous avez toujours rêvé construire pour vos enfants, ou aider votre village qui vous a vu naître, mais qui n'a jamais changé au bout de 40 ans. Voilà ce qui motive et H. Moufaré à dire, je vais vous aider pour ça, devenez fondateur avec moi pour qu'on puisse faire ce changement, pour que vous soyez ce changement auquel vous aspirez, devenez alors fondateur pour m'aider à apporter ce changement de paradigme sur Internet. Alors, maintenant, si vous décidez de devenir fondateur aujourd'hui, c'est très simple. Voilà comment ça marche. La personne qui vous a partagé ce lien, d'abord, vous aime beaucoup, a pensé à vous, comme moi-même, je l'ai fait pour certains. Donc, vous suivez ce lien, vous allez remplir le lien, il y a un formulaire, vous le remplissez, il est très simple. Vous choisissez, il y a trois méthodes de paiement. Vous choisissez, après avoir validé le lien que vous avez reçu dans votre mail pour dire que c'est bien vous-même qui remplissez, et vous validez ça, vous payez. Vous avez le paiement par carte, le paiement par crypto-monnaie ou Cash App, donc par cash. Mais nous conseillons les deux paiements que vous voyez ici, par carte bancaire ou crypto-monnaie. Et majoritairement, nous avons vu par rapport à toutes nos connaissances, notre communauté, que c'est plus simple de payer par carte bancaire parce que ça valide instantanément. Vous n'avez pas de soucis à vous faire et vous devenez alors automatiquement fondateur une fois que c'est validé. Voilà. Maintenant, ceux qui préfèrent la crypto-monnaie, eh bien, il faut qu'ils prévoient 97 $, un peu plus dans leur wallet pour pouvoir payer. Il y a toutes les crypto-monnaies qui sont là, Ethereum, Bitcoin, etc. Et ils peuvent valider une fois qu'ils ont payé et que c'est passé. Mais ils devraient attendre alors 24 heures à 48 heures pour que le support, les GoFunders puissent valider cela. Ce n'est pas aussi instantané qu'avec la carte bancaire. Il y a les frais sur la carte bancaire. Malheureusement, ça, ce n'est pas un passif, c'est les 5 $ de frais. Dès que vous avez validé, vous allez être connecté donc, à votre bureau virtuel et, qu'on appelle back office. Dans votre bureau virtuel, il faut signer la NDA. L'accord, c'est un contrat. C'est aussi unique. C'est la seule entreprise américaine qui propose, à ma connaissance en ligne, que vous signez un contrat
dans lequel il est bien écrit ce qui est attendu donc, de l'entreprise et ce qui est attendu de vous. Voilà comment une entreprise est sérieuse. Et c'est important d'observer la confidentialité qui est dans ce contrat-là, ne pas communiquer de façon publique parce que ça peut porter préjudice à l'entreprise. Nous avons beaucoup de gens qui nous regardent, qui aimeraient mettre fin à cette aventure-là, qui sont tout simplement envieux et jaloux. Sachez que ça existe et c'est pour cela qu'on garantit donc cette confidentialité et que si vous avez des gens, vous voulez leur en parler, permettez à ces gens-là d'avoir toute l'information et pouvoir eux-mêmes juger de l'opportunité. Donc, amenez-les au webinaire comme vous-même vous amenez. Quand vous devenez alors fondateur, vous accédez à votre lien de parrainage que vous pouvez à votre tour faire partager, faire profiter à votre famille, à vos connaissances, à tous ceux que vous aimez. Cette opportunité est tout simplement sans risque. C'est zéro risque, je le dis. Et tout simplement, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous êtes remboursé. Et vous avez le temps pour ça, c'est écrit dans le contrat. Et ça m'amène à dire que quand on est dans nos passifs, on gagne ou on gagne. Ça me rappelle le slogan de quelqu'un. Mais sachez que nous sommes là pour le gagner, c'est notre slogan. Enfin, j'aimerais conclure en citant cet entrepreneur visionnaire qui est Richard Branson. Il a dit ceci, je le cite. « Si quelqu'un vous offre une opportunité extraordinaire un jour, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la saisir, dites d'abord oui et apprenez à le faire plus tard. » C'est là-dessus que j'aimerais vous remercier et passer la parole au bienvenu, au Naka, pour qu'on prenne toutes les questions. Ne soyez pas timide, posez toutes les questions que vous avez. Nous sommes là, ici, pour le gagner. Nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre cette opportunité et la saisir. Merci beaucoup. À vous. Au bienvenu, Onaka, vous êtes toujours là? Ok, je pense que bienvenu. Au bienvenu nous a quittés. Il est parti faire un tour. Bon, ben, il va c'est pas grave. Donc, les gens peuvent taper les questions ou lever la main. Donc, vous levez la main et puis on vous passe la parole et vous posez votre question. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois M. Alassani. Ouvrez votre micro et vous posez votre question, s'il vous plaît. On va répondre à une question à la fois. Je vous écoute, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Alassani. Ok. Je suivais la vidéo et puis à un moment... Il y a eu un problème de connexion, donc j'ai perdu quelques 20 minutes de temps dans la formation. Ce que j'aimerais comprendre, c'est vous avez parlé de devenir entrepreneur, devenir fondateur d'entreprise. Mais comment est-ce que nous pouvons devenir fondateur?